Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour sur Fortnite Battle Royale. Mais aujourd'hui, attention, ce n'est pas n'importe quel Fortnite. Fortnite a changé Fortnite à la première personne, oui. Alors c'est pas un mode officiel pour le moment, mais ça va bientôt arriver et je vous expliquer vraiment très rapidement comment faire. Alors petit hic, pour avoir le mode à la troisième personne, il faut avoir sauvé le monde. Donc ça se trouve c'est fait exprès, on se dit tiens les gars, on a trouvé une petite façon de vendre sauver le monde. Alors moi sauver le monde je l'ai depuis le début. Donc en gros c'est très simple, si tu as sauvé le monde, tu mets dans sauver le monde, tu vas dans jouer. Voilà, donc c'est ça, vraiment il n'y a rien de compliqué à faire. Et une fois que tu es dans le menu de sauver le monde, tu vas cliquer sur les options. Voilà, tu vas dans la petite rouage machin comme ça, le petit rouage jouabilité. Et en dessous, ici même, dans options de jeu supplémentaires, tu as caméra en vue subjective. En gros, à la première personne, tout simplement. Donc pour jouer à Fortnite à la première personne, il faut aller dans sauver le monde. C'est par défaut non. Et là, tu mets oui, tout simplement. Tu appliques et c'est bon. Et après, tu quittes sauver le monde. Et voilà, tout simplement, tu as Fortnite à la première personne. Alors, tu as plusieurs types de première personne sur Fortnite. Premièrement, si tu vas dans le zéro construction par exemple, tu auras le personnage qui sera à la troisième personne. Mais quand tu vas viser, tu seras à la première personne. Un petit peu à l'image d'ailleurs de Call of Duty Modern Warfare 2, où le mode à la troisième personne, tu te balades à la troisième personne et quand tu vises, bam, t'es à la première. Ou en tout cas, tu peux être à la première si tu veux. Donc il y a ça. Également, il y a des modes en créatif où tu es directement à la première personne tout le temps. Alors il faudra que je trouve d'ailleurs des modes comme ça, on va voir un petit peu, mais on va se faire un petit mode classique de toute façon, zéro construction, à la première personne sur Fortnite. Alors pour le moment, l'option est disponible uniquement dans Sauver le Monde, mais si l'option est arrivée dans Sauver le Monde, on peut imaginer qu'elle va arriver prochainement également dans le Battle Royale. Et c'était une rumeur qui était sortie il y a déjà un petit moment que Fortnite allait sortir un mode à la première personne, et honnêtement, je suis très hype pour ça, vraiment, parce que bon là, c'est pas intentionnel, tu vois le fait, je vais lancer la petite game de toute façon pour qu'on voit ça. C'est pas intentionnel que ça soit la première personne de cette façon-là, pour le mode Battle Royale, puisque en fait on passe dans le Sauver le Monde, mais on se dit bien que c'est peut-être possible qu'à un moment donné on soit vraiment en mode première personne, genre comme Call of. Et c'est vrai que si tu imagines première personne, genre comme Call of, avec le zéro construction, ça peut être vraiment sympa. De ce que j'ai vu, juste la FOV était un petit peu stricte. T'as l'impression d'être vraiment un petit peu zoomé, tu sais. Mais si t'arrives à avoir un petit FOV slider, tu vois, où tu te mets un peu large. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc super méga cool. Vraiment. Mais ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ah mais attends, oui, attends, parce que Fortnite, oh mec, ils l'ont fait encore, ils sont très très forts. Fortnite ont sorti des petits packs Dragon Ball de retour, Sangohan et Piccolo, et j'adore Sangohan, mais franchement Piccolo, mec, je suis trop content qu'il soit là. On va soutenir un créateur. Attends, c'était quoi? C'était Birdie, non? C'était Birdie son... accepté? Ouais, c'est ça, Birdie. Ah ok, voilà, on va se tenir les copains quand même. Moi j'ai plus de code créateur je crois sur Fortnite. D'ailleurs je crois que toute la thune qui me devait du code créateur, je l'ai jamais reçue. Il m'avait envoyé un message en me disant tiens, on doit des sous et tout, comment on fait? Je dis ouais. Et puis silence radio. Donc voilà, bon bref, peu importe, c'est un détail hein. Du coup on va partir en mode pigeon, acheter le pack de Piccolo, let's go. Ouais, s'équiper, let's go. J'adore petit cœur. Ah ouais, Satan petit cœur. Mec, il est trop classe. Allez, regarde. Du coup, on a la troisième personne. Et là, on prend le fusil à pompe. Bah, non, le fusil à pompe n'est pas à la première personne, alors. Attends. Tout à l'heure, je l'ai fait, ça marchait. Ça peut-être pas sur toutes les armes, alors. Tu vois, même quand tu cours, le personnage est rapproché. Ça montre bien que ça se met à la première personne. Attends. Bah. Ah, voilà. Ok. Ça marche pas avec toutes les armes, alors. Ça marche pas avec toutes les armes. Mais celui-là, ça marche. Oh, putain, mais on voit rien. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais. En fait, ça va être un défi, plus qu'autre chose. Ah mec, ok, en fait j'avais fait la manip, j'avais testé, j'ai pris l'ascar. Et l'ascar ça se voyait super bien. Mais en fait ça marche pas avec toutes les armes. Ok, bon là du coup c'est un petit peu... C'est pas aussi bien que ce que je pensais que ça aurait été bien. Mais on ira voir en créatif de toute façon. Je pense que là il y aura un truc. What? Regarde. Ok, effectivement, je crois que c'est pas fait exprès que ça se passe comme ça. Hein, mettre à la première personne pourrait éventuellement rendre ton jeu un petit peu différent qu'il est attendu d'être, mais ça va être un défi. Voilà. On va pas aller là, il y a du monde. Je sens que ça va être compliqué. Hein. Je sens que ça va être... Ok, bon, c'est... Voilà. On va aller là, voilà. Donc effectivement, tu vois, des fois, t'es un peu en zoom. Donc là, le fusil à pompe est pas la première personne. Et même quand tu cours,
T'arrives comme ça. Alors, attends, je me trouve un peu un mode créatif après parce que j'avais vu un mode créatif où c'était vraiment mode première personne, genre Call of, quoi. Et bon, ça vient juste de sortir. Hein. Je crois que c'est sorti hier. Donc, il faut assez le temps un peu de trouver les choses, comment ça marche. Mais hier, justement, j'ai vu des vidéos. Il y a des mecs qui étaient dans mode créatif. Ils étaient vraiment à la première personne, genre comme si c'était Call of, quoi. Donc, automatiquement, ça donne envie de voir ce que ça donne. Ça donne envie de voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça donne envie de voir ce que ça donne. Alors, il y a l'air d'avoir du monde partout. Qu'est-ce que c'est? Non, mais... qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est... Regarde, celle-là, là, la première personne, regarde. Nice! Regarde, quand tu recharges comme ça... J'ai plus de balles, je peux pas recharger. Regarde. Et là, la première personne. Bon, c'est pas si simple. Ah, on me l'a volé! T'es témoin, on me l'a volé. Ben oui, on me l'a volé en plus. Non mais c'est pas vrai, je fais tout le travail. Et l'arc, c'est comment? Oh. Ah. C'est très très bien l'arc. C'est très très bien. Ok. Oh, Nuketown Gun Game. Oh, attends, on va essayer ça si ça marche. Alors là, du coup... Oh yes. Ah yes! C'est la première personne, c'est bon. Et jeu d'armes sur Nuketown. Fortnite, incroyable. Et voilà le kill, frérot! Yes, c'est bon! Voilà, on a le bon. Piccolo, franchement, si un jour tu m'aurais dit j'aurais Piccolo sur Nuketown en jeu d'armes sur Fortnite à la première personne, j'aurais dit tu te moques de moi. Ouf! Trop bien! Bon, c'est juste que quand tu cours, c'est un peu compliqué, mais... Et voilà, le kill, le pompe. Ah, le pompe, il est pas la première. Bah, je veux dire, le crossover est improbable, quoi. C'est juste que... C'est vrai que quand tu cours, c'est un peu compliqué. Mais j'avais vu vraiment une vidéo où le mec, il était genre en mode première personne, mais H24, quoi. Genre même quand il court et coup, vraiment en mode Call of. Je sais pas encore quel mode c'est, mais... Sangoku qui me vole mon kill, incroyable. What? Je suis invisible maintenant. Arrête! Bah vas-y, meurs, peut-être ça ira. Bah c'est bon. Mec, c'est trop stylé, hein. Attends. Mais non! Ils me butent tous! Mais non! Me tue pas! Ah, c'est une blague. Mais c'est une blague, tout le monde me tue! Mais on me vole mes kills! Mais non, mais je recharge! Mais arrêtez, bon... Bonsoir! Mais non, mais c'est pas... C'est un peu embêtant, là. Hein? Ah, d'accord, ok. Oula! Oula, elle va être compliquée celle-là! Oula, elle va être compliquée! C'est trop simple en réalité! C'est trop simple! Ah, ouh! Ok, c'est bien que je sois mort parce que j'étais plus la première personne. Bah, tu vois rien quand tu cours. Oh là là, mais les gars, il est. Oh la Thompson, hein. Ouh. Oh, c'est trop classe avec la Thompson. Ah. Faut pas manger pendant qu'on joue. Je sais pas ce que c'est ça, mais. Ah, mais... Oh, trop bien. Oh, trop bien. Ah, pas trop bien. Trop bien, en fait. Mais tire, Burst of the Dow. Oh, la série que je viens de faire, là. Incroyable. Oh, là. Eh,
suis quand même arrivé troisième, les gars. Hein. Eh ouais. Non, en vrai, c'est pas première personne comme on aimerait que ça soit la première personne encore, mais c'est un début. Parce que bon, c'est pas fait exprès. Vraiment, là, le première personne, il est pas fait exprès du tout. Ah, c'est pas intentionnel. Oh, j'allais faire une inspection d'armes, mais il y a pas d'inspection d'armes. Et voilà, là, on est à la première personne. Effectivement, je pense que c'est le personnage qui gêne un peu. Hein. Je pense qu'il faudrait mettre un personnage un peu moins large. Mais là, on est à la première personne. Ah oui, d'accord. Oh, je suis désolé, Piccolo. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Je suis désolé. Aïe, aïe. C'est là que tu réalises. C'est pas fait exprès qu'il soit là. Par contre, si on change le personnage, du coup, on va changer le perso. On va mettre un personnage. Voilà, je pense qu'on va mettre un personnage beaucoup plus fin. Alors du coup, est-ce que Saxy est là? Parce que je devais faire une game avec lui. Bah, ça marche pas bien parce que donc c'est là, pas... C'est pas fait exprès, c'est un glitch, hein, c'est pas... Bon, c'est sûrement fait exprès dans le sens, je pense, quand même. Hein. Ah, tu penses pour... de faire parler, ouais, histoire de faire parler, tu vois, évidemment. Mais après, ça si fait un moment quand même que ça tease. Si jamais ils le mettent bien au point, ils font un mode spécial, ça peut être vraiment, oui. Vraiment bon. Quand ça sera au point, bien sûr. Voilà, là, il y a du monde, là, on est bon. Allez, début dans 9, 8, 7, 6, 5. Je vais pas faire tous les numéros, hein. Je sais pas compter. Ouais, parce que ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Ça fait 10 au total. Ouais, je sais pas compter jusque là. Allez, c'est parti, on y va. Et là, le pistolet, regarde, là, quand tu vises, tout est à la première personne du coup. Et voilà le premier kill! Oh, mais attends, mais en fait, il y a des bots dans la game. Et le deuxième. Oh, ça c'est bueno. Ça fait. Ah merde. C'est bon. No way! Mais oh, respecte un peu là. Casse-toi. Ouais, désolé, je respecte les anciens, c'est vrai. Oh là là. Et tu vois, regarde, là. Là, pour le coup, la M16, elle a la première personne. Mais y'a plus rien qui marche. Après, y'a des armes des fois qui bug un peu. Et quand tu meurs, ça revient bon. Ça revient normal. Ouais, j'avoue, là, je suis juste un crosshair en fait. Là. Ah, allez, ouais, y'a une arme là, ouais, je suis. Je vais tuer un bot là. Merde, je suis mort. Non, c'est moi qui ai tué un bot, c'est différent. Aïe. Merde. Bah déjà là c'est un peu plus fun parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de ouais. etc. Tu vois. Je l'avais fait tout à l'heure, c'était fun là-dessus. Hein. C'était fun. Donc c'est un troisième première personne. Mais il y a quand même le mode première personne du coup. Voilà, c'est... C'est quoi ça que j'ai? Oh le shoot. Je découvre des armes. Oh le shoot. J'ai le shoot le plus affreux de l'histoire du shoot. On peut voir que à combien on est, c'est à combien là? T'es premier. Hein? Regarde à droite. Ah bah voilà, enfin j'ai eu mon kill, mince. Bon, j'ai fait quelques petits kills, je suis revenu dans la place. Et quand Nukton jeu d'armes, c'est vraiment oppressant quand même. Ah là je vois qu'un arc, c'est terrifiant. Hein. Quoi ça? J'ai aucune idée de c'est quoi l'arme que j'ai actuellement. Ah c'est un fusil à pompe! Et je crois que c'est un fusil à pompe. Sniper, let's go. Mais non! Oh la triple! Une balle, une triple? Ouais. Bah leftover. Attends, y'a un gars là, il est où? Attends, mais ça l'a pas tué là? Comment ça, je suis deuxième? Mais quel jeu de merde. Rageux, bah. J'arrive pas à faire de kill avec le pompe là. Putain, mais il est nul Skyros, hein? Mais. Il se prend des turns et tout quoi! Mais gna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 gn
Je vais me transformer en Sangoku. Une arbalète? Oh la vache! Oh la vache! Une arbalète? Mais je sais même pas où je tire là, j'ai la sulfate, je vise, je sais pas où je tire. On voit rien. Là on voit rien de fin. Mais allez! Oh j'ai eu un kill. Oh! C'est quoi ça? Il y a un rayon laser? Mais elle est horrible! Mais c'est de la merde cette cadence! Voilà, incroyable cette arme. Oh là, par contre, Fama, ça va être compliqué, je crois. Non, le plus dur, frérot, c'était. Là, c'était bloqué depuis tout à l'heure à l'arbalète. Hein. Ah ouais? C'est compliqué? À l'arbalète. Je crois que c'était l'avant-dernière. Ah putain, avant-dernière. Ah, fiché. Voilà, là c'est fun, je trouve, en mode comme ça. Bah, c'était dynamique, quoi. Ouais, ça bouge un peu. Bon, effectivement, le mode FPS, c'est pas au point. Ça reste encore en phase de. Approximative, mais c'est rigolo. Il me le vole! C'est moi ou c'est des autres armes que tout à l'heure? Parce que j'ai l'impression que tout à l'heure. L'ordre a changé quoi. Mais. Ah, par contre, je déteste qu'on me vole des armes. Qu'on me vole des armes? Des kills. Je veux les gars au HP et j'ai pas les kills. Ah voilà. Ah là, c'est que des pistoles. Que j'ai depuis tout à l'heure. Et tout à l'heure, y'a pas que des pistoles. Ah, j'ai un pantalon. C'est horrible, les gars tu les laisses à un HP, t'as pas le kill quoi. Kairos. Ouais mais tu me tires dans le dos, tu triches. Non j'étais sur le Teco. Le Teco, oh le Jones. Derrière toi Kairos. Mais oui mais devant moi aussi, alors arrête de m'embêter. C'est du bowling. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est bon. Oh la Thompson! Mais oh là là, mais ouais, mais les deux ils me tirent dessus! Pourquoi les deux me tirent dessus? Pourquoi le gars à droite il tire pas sur le gars à gauche? Allez. Ouh, Akimbo. Oula. What? Ah, faut rester appuyé. Skyrock, sur à côté de toi. Mec, c'est horrible! J'étais avec le Famas, je voyais rien! Oh, j'ai eu le kill! Derrière toi. Devant toi. Derrière toi, Sky! Je te l'ai volé. Ouais, je sais, bah tout le monde me les vole de toute façon, moi. Je vous ai tué les trois, trop bien. Salut Skyros! Comment ça va? Eh, hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? C'est quoi ce truc? What? Ah ouais. Oh la K? Mais c'est une blague. Il y a un HP le gars. Non. Mais non, mais arrête. Y'a rien de plus frustrant quand tu laisses un gars un HP. Y'a un mec qui te le vole et il te tue après. Et à chaque fois, les gens ils me tirent dessus quoi. Quoi, ils tirent pas sur les autres? C'est le but. Non, le but c'est de tirer sur les autres. Allez, dis-moi que je suis premier là. Oui, je suis premier. Oula. HP encore une fois, je suis à fond dedans. En vrai, je kiffe bien le délire quoi.
Hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Hein. Ah oui, d'accord. Bah non, il me le vole en plus! Je comprends rien. Mais c'est de la merde! C'est compliqué, hein. Il y a des armes, c'est compliqué. Non mais non mais non, cette arme elle est impossible. L'arbalète alors je... Enfin, ah je... voilà, c'est terminé. Non. Je reste tout le temps bloqué ici. L'arbalète c'est ça? Ouais non mais genre elle est injouable. Genre je sais pas, en fait t'as aucun feeling qui attire. Je sais pas comment dire, genre t'as pas l'impression que ça marche. Ouais je vois ce que tu veux dire. Là, allez c'est parti! On y va pour la victoire! Let's go! Vas-y, on peut. Et le premier kill sur G Salazar! Ah là c'est pas les mêmes armes que tout à l'heure, voilà. Là c'est fusil à pompe. Ah forcément le gars, oh, non mais ça c'est horrible. Après c'est vrai que quand tu cours des fois ça fait un peu bizarre. Je pense que je lui ai mis. Ah ça c'est moi, j'ai été nul. On arrive dans le spawn. Voilà le kill. Voilà le kill encore une fois à la M16. Oh j'en vois là. Qui vole le kill. Ça c'est trop bien. Non! J'étais à une balle de le tuer! Il me le vole. Et what? Il me le vole! Non mais les gars, ils s'en foutent, hein! Oh la salope! Voilà, je l'ai volé, je pense. Ouf! Ah bah y'a un mec qui se laisse faire là. Ah non mais c'est pas rigolo, si tu laisses pas faire non plus. Oh le petit triple kill, histoire d'avancer un petit peu. Oh ce turn qui se prend. Ah, écoute, c'est une bonne guerre. Ouf. Alors là. Oula, là j'ai bien volé un kill, je suis trop content. Ouf! Putain, c'est compliqué. Hein. Voilà. Ah, oui, je suis sur l'arc, là c'est compliqué, ouais, effectivement. Ah non, mais c'est même pas l'arc le compliqué. Hein. Ah, d'accord. Ah bah voilà. Ouh le snipe. Mais... Oh, ouh. Ouh. Ah, oh non. Oh non. Là 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 là, c'est compliqué hein. Ah c'est vrai. Deuxième place. Deuxième place. Oh, mais bon, tu vois, genre 2-3 games, c'est bien, mais après, tu vois, genre, c'est, ça vide le cerveau, quoi. Ouais, mais c'est bien de se vider un coup, non? Ça vide. Genre, tu sais, t'as pas le temps de te poser et tout, t'as vraiment l'impression d'être sur un code. Là, quand t'es en jeu d'armes, de toute façon, tu sais, tu parles pas, tu réfléchis pas. C'est en mode, tu poses le cerveau, tu t'y vas en mode bourrin, t'es aspiré par le jeu, mais c'est cool. Voilà. C'est pour changer un petit peu, tu vois, c'est... Après, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner sur le futur avec le mode première personne. Le potentiel est là. Ouais, mode officiel, quand ça sera bien fait. Parce que là, effectivement, ça bug de partout, c'est approximatif. Mais c'était vraiment pour... depuis le temps que je l'attends, parce que ça, la rumeur du mode première personne, ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Du coup, depuis le temps que je l'attends, je dis, on va aller tester ça. Effectivement, c'est pas du tout au point, mais le potentiel est là. Et hâte de voir ce que ça va donner sur le Battle Royale, parce que je pense que ça pourrait être vraiment cool. Et même, on pourrait dire... Hein, un concurrent à Call of Duty, chose qui manque actuellement. Ce Call of, ils font un peu ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de concurrent, mais si jamais Fortnite arrive en mode FPS, et qu'ils font ça bien, parce qu'ils savent le faire bien, je pense que ça peut être un bon concurrent qui pourrait faire avancer les choses également sur Call of Duty après.